C'est l'héritier de l'école française d'Égypte, c'est-à-dire une école où les très grands juristes français venaient enseigner le droit français en Égypte. Et l'IDAI s'inscrit dans la continuité de cette école. C'est essentiellement le droit des affaires et le droit international qui sont au cœur de la formation de l'IDAI. La L1 et la L2 sont consacrées à des matières fondamentales juridiques. Et à partir de la L3, il y a une vraie spécialisation vers les matières de droit des affaires, droit des sociétés, droit des sûretés, et puis en M1, droit bancaire, droit des entreprises en difficulté. Et en M2, on applique vraiment ces matières-là au droit international. C'est pluridisciplinaire, polyglotte et international, puisqu'on s'ouvre à différentes branches du droit, et pas seulement le droit égyptien, mais le droit français, ce qui me permet par la suite en fait, d'enchaîner dans mes études. Je postule pour un Master 2 à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas.